aller son chemin, le regard de la faiblesse. Quand il s'échappa, c'était le soir. Bon. La maison se trouvait au bord de la forêt. Une maison de ville, bâtie selon les normes urbaines, à un étage, avec un encorbellement dans le goût de la ville ou du faubourg, avec un petit jardin de devant fermé par une grille, avec de fins rideaux ajourés aux fenêtres, une maison de ville qui se trouvait pourtant isolée, loin de tout. C'était par un soir d'hiver et il faisait très froid là en pleine campagne. Mais en fait, ce n'était pas la campagne. Il s'agissait au contraire d'un trafic urbain car un wagon de tramway tournait au coin de la rue, mais ce n'était quand même pas la ville car le wagon ne roulait pas. Il se trouvait là depuis toujours, toujours dans la même position. Toujours dans la même position, comme s'il tournait au coin. Et depuis toujours, il était vide. Et ce n'était d'ailleurs pas un wagon de tramway, c'était un chariot à quatre roues. Et dans le clair de lune rendu diffus par le brouillard, il pouvait rappeler n'importe quoi. Il y avait là un pavé urbain. Le sol était hachuré de pavés, un pavé d'une égalité modèle, mais ce n'était que les ombres crépusculaires des arbres qui s'étendaient au-dessus de la grande route enneigée. Je prospère grâce à la nourriture. Des mets de choix cuisinés de manière raffinée. Je vois les porteurs d'aliments depuis la fenêtre de ma chambre. Une longue file. Elle se bloque souvent. Alors, chacun serre sa corbeille contre lui pour la préserver des dommages. Il regarde aussi en haut vers moi, aimable. Certains sont ravis. C'est la nourriture qui me fait prospérer. C'est la sève sucrée qui monte de mes jeunes racines. Un chat avait attrapé une souris. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda la souris. « Tu as des yeux terribles. »« Ah !» dit le chat. « J'ai toujours des yeux comme ça. Tu t'y habitueras. »« J'aimerais mieux m'en aller. » dit la souris. « Mes enfants m'attendent. » Tes enfants t'attendent ?
dit le chat. Alors, vas-y aussi vite que possible. Je voulais juste demander quelque chose. Alors, s'il te plaît, demande. Il est vraiment très tard. Enlace le rêve aux branches de l'arbre. La ronde des enfants. L'admonestation du père penché vers eux. Briser le petit bois sur le genou. À demi évanoui, blême, s'appuyer contre la paroi. S'appuyer contre la paroi du débarras. Regarder le ciel pour y trouver le salut. Une flaque dans la cour. Un vieux fatras d'outils agricoles derrière. Un sentier rapide et qui descend de nombreuses courbes. Il plut par moments, mais par moments, le soleil brilla aussi. Un bulldogue surgit qui fit s'écarter les porteurs du cercueil. Cela fait longtemps, longtemps que je viens vivre dans cette ville. C'est une grande ville pleine de vie. Beaucoup de milliers d'hommes y habitent. Tout étranger y est admis. Vérone. Trouvé dans l'allée entre les feuilles automnales, poussées par le vent, l'ordre militaire suivant. Il est impossible de déterminer qui l'a donné et à qui il est adressé. Cette nuit commence l'attaque. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, la défense, le recul, la fuite, la dispersion. Image de la défense d'une ferme. C'était une simple palissade de bois sans aucune brèche, pas tout à fait de la hauteur d'un homme. Derrière elle se tenaient trois hommes dont on voyait surgir les visages derrière la palissade. Celui du milieu était le plus grand. Les deux autres, plus petits d'une bonne tête, se poussaient contre lui. C'était un groupe uni. Ces trois hommes défendaient la palissade, ou plutôt toute la ferme qu'elle encerclait.
Il y avait encore d'autres hommes, mais ils ne participaient pas directement à la défense. L'un d'eux était assis à une petite table au milieu de la cour, et comme il faisait chaud, il avait enlevé sa veste d'uniforme et l'avait suspendue au dossier du fauteuil. Il avait devant lui quelques petites fiches qu'il remplissait d'une grande et large écriture nécessitant beaucoup d'encre. De temps à autre, il regardait un petit dessin fixé avec des punaises plus haut sur le plateau de la table. C'était un plan de la ferme et l'homme qui était le commandant établissait d'après ce plan les dispositions pour la défense. Parfois, il se levait à moitié pour voir les trois défenseurs et la campagne au-delà de la palissade. Et il utilisait ce qu'il voyait pour ses dispositions. Il travaillait vite, comme l'exigeait la situation tendue. Un petit gars aux pieds nus, qui jouait tout près dans le sable, transmettait les messages quand c'était le moment et que le commandant l'appelait. Pourtant, le commandant devait toujours commencer par lui nettoyer avec sa veste d'uniforme les mains salies par le sable mouillé avant de lui tendre les fiches. Le sable était mouillé par l'eau qui giclait d'un grand baquet dans lequel un homme lavait du linge de militaire. Il avait aussi tiré une corde depuis un liteau de la palissade jusqu'à un frêle tilleul qui se trouvait abandonné dans la cour. Sur cette corde séchait du linge et lorsque soudain le commandant passa par-dessus la tête sa chemise qui, de transpiration, lui collait déjà au corps et qu'il la lança à l'homme au baquet avec un cri bref, celui-ci prit une chemise sèche sur la corde et la tendit à son supérieur. Non loin du baquet, et à l'ombre de l'arbre, un jeune homme se balançait dans un fauteuil, totalement détaché de tout ce qui se passait autour de lui. Son regard perdu vers le ciel suivait le vol des oiseaux et il s'exerçait à des signaux militaires sur un corps de chasse. C'était tout aussi nécessaire que n'importe quoi d'autre, mais parfois le commandant en avait assez. Alors, sans lever les yeux de son travail, il faisait signe aux trompettes d'arrêter. Et si cela restait sans effet, il se retournait et lui criait dessus. Le silence se faisait alors pendant un moment, jusqu'à ce que le trompette recommence doucement à souffler, à titre d'essai, et que, pris par l'action, il laisse progressivement le son enfler jusqu'à son ampleur précédente. Le rideau de la lucarne était baissé, ce qui n'avait rien d'étonnant, car toutes les fenêtres de ce côté de la maison étaient obscurcies d'une façon ou d'une autre pour les protéger de la vue et de l'attaque de l'ennemi. Mais derrière ce rideau,
se blottissait la fille du fermier. Elle regardait le trompette en bas et les sons du cor de chasse la ravissaient tellement qu'elle ne pouvait parfois les recevoir que les yeux clos et la main sur le cœur. En fait, elle était censée surveiller dans la grande salle à l'arrière de la maison les servantes qui faisaient de la charpie. Mais elle ne supportait pas d'être là. Les sons qui y parvenaient étaient faibles, n'apportaient jamais de satisfaction, n'éveillaient que de la nostalgie, et elle s'était glissée ici en haut après avoir traversé la torpeur de la maison abandonnée. Elle se penchait aussi parfois un peu vers l'avant pour voir si son père était encore assis à son travail, s'il n'était pas allé par exemple inspecter la domesticité, car alors elle n'aurait pas non plus pu rester là. Non, il était encore assis, tirant sur sa pipe, sur la marche de pierre devant la porte de la maison, et il taillait des bardeaux, un gros tas de bardeaux finis ou à moitié finis, ainsi que des matériaux bruts, étaient par terre autour de lui. La maison et le toit souffriraient hélas des combats et l'on devait prendre des précautions. De la fumée et du bruit provenaient de la fenêtre à côté de la porte d'entrée, fenêtre qui, à part une petite fente, était obturée par des planches. La cuisine se trouvait là et la fermière terminait de préparer le déjeuner avec les cuisiniers militaires. Le grand fourneau n'y suffisait pas. On avait dû installer deux marmites en plus, mais elles ne suffisaient pas non plus, comme on le voyait maintenant. Il était très important pour le commandant que son peloton soit suffisamment nourri. On avait donc décidé d'ajouter encore une troisième marmite, mais comme elle était un peu abîmée, un homme s'occupait de la ressouder du côté du jardin de la maison. Il voulait au départ le faire devant la maison, mais le commandant ne supportait pas les bruits de marteau et on avait dû rouler ailleurs la marmite. Les cuisiniers étaient très impatients. Ils envoyaient sans cesse quelqu'un voir si la marmite était déjà prête, mais elle ne l'était pas. Elle n'entrait plus en compte pour le déjeuner du jour et l'on devrait se restreindre. D'abord, on servit le commandant. Bien qu'il ait souvent et très sérieusement interdit qu'on lui cuisine quelque chose de spécial, la maîtresse de maison n'avait pu se résigner à lui préparer la nourriture ordinaire des soldats. D'ailleurs, elle ne voulait laisser à personne d'autre le soin de le servir. Elle mit un beau tablier blanc, posa sur un plateau d'argent la revigorante assiette de bouillon de poule et la porta au commandant dans la cour, car l'on ne pouvait s'attendre à ce qu'il interrompe son travail et aille manger à l'intérieur de la maison. Lorsqu'il vit arriver la maîtresse de maison en personne, il se leva aussitôt, très courtois, mais dut lui dire qu'il n'avait pas le temps de manger, ni le temps, ni la tranquillité. La maîtresse de maison le supplia, la tête penchée, avec des larmes dans ses yeux levés vers lui, et elle arriva ainsi à ce que le commandant, toujours debout, prenne en souriant dans l'assiette encore tenue par la maîtresse de maison une cuillerée pleine de soupe. Ayant ainsi sacrifié à l'obligation de la plus grande politesse, le commandant s'inclina et se rassit pour travailler, sans remarquer probablement que la maîtresse de maison restait encore un peu auprès de lui pour finir par repartir vers la cuisine en soupirant. Mais l'appétit du peloton était tout autre. À peine le visage à la barbe broussailleuse d'un cuisinier apparut-il par la fente de la fenêtre de la cuisine, à peine eut-il donné avec un sifflet le signal que le déjeuner allait être distribué, que cela s'agita partout, plus que le commandant ne le souhaitait. Deux soldats sortirent d'une remise en bois, une carriole qui n'était rien d'autre qu'un grand tonneau.
On y versa par la fente de la cuisine la soupe à grands jets pour ces pelotons qui ne devaient pas quitter leur position et auxquels on devait donc amener le repas. La carriole alla d'abord rejoindre les défenseurs à la palissade. Cela se serait d'ailleurs produit sans que le commandant ait à lever le doigt, car ces trois-là étaient pour le moment les plus exposés à l'ennemi. Cela, le simple soldat savait en tenir compte, peut-être mieux que l'officier, mais l'essentiel pour le commandant était d'accélérer la distribution et de réduire le plus possible la pénible interruption des travaux défensifs causés par le repas, car il voyait bien que même les trois soldats, à la conduite d'ordinaire exemplaire, se préoccupaient à cet instant plus de la cour et de la carriole que du terrain devant la palissade. Ils eurent vite leur pitance grâce à la carriole que l'on poussa plus loin le long de la palissade, car tous les 20 pas environ, trois soldats étaient accroupis contre la palissade, prêts, si cela devenait nécessaire, à surgir comme les trois premiers et à se montrer à l'ennemi. Entre-temps, les troupes de réserve sortaient de la maison en longue file vers la fente de la cuisine, chaque homme avec sa gamelle à la main. Le trompette se rapprocha lui aussi et, au grand chagrin de la fille du fermier qui retourna parmi les servantes, il tira de sous son fauteuil la gamelle et posa à sa place le corps de chasse. À la cime du tilleul, un bruissement se fit entendre car un soldat était assis là. Il devait observer l'ennemi à l'aide d'un périscope et, malgré son travail si important, si indispensable, il avait été oublié, au moins pour le moment, par le conducteur de la roulotte à soupe. Cela le rendit d'autant plus amer que quelques soldats, des oisifs du peloton de réserve, s'étaient assis autour du tronc de l'arbre pour mieux savourer leur repas, et la vapeur et le parfum de la soupe montaient jusqu'à lui. Il n'osa pas crier, mais il donna des coups autour de lui dans les branches et cogna plusieurs fois le périscope à travers le feuillage pour qu'on lui prête attention. Tout cela en vain. Il faisait partie des attributaires de la carriole et devait attendre qu'elle vienne à lui après la fin de sa tournée. Cela durait vraiment longtemps, car la ferme était grande. Il y avait bien 40 postes de 3 hommes, chacun à servir, et lorsque la carriole, tirée par des soldats épuisés, arriva enfin au tilleul, il ne restait plus grand-chose dans le tonneau. Les morceaux de viande, surtout, se faisaient rares. Certes, le guetteur accepta encore volontiers le reste, lorsqu'on le lui tendit dans une gamelle placée au bout d'une perche à crochet, mais il se laissa glisser un peu le long du tronc et, de colère, ce fut là son remerciement, il appuya son pied sur le visage du soldat qu'il avait servi. Celui-ci, et c'est bien compréhensible, sortit de ses gonds, se fit hisser par ses camarades, fut en un instant là-haut, dans l'arbre, et alors commença un combat invisible d'en bas, perceptible uniquement par l'oscillation des branches, des gémissements étouffés, l'envol des feuilles de tous côtés, jusqu'à ce qu'enfin le périscope tombe sur le sol. Aussitôt, le calme s'installa. Très pris par d'autres soucis, au dehors, dans les champs, il semblait se passer beaucoup de choses. Le commandant n'avait heureusement rien remarqué. Le soldat
redescendit du faîte en silence. Le périscope fut amicalement tendu vers le haut et tout rentra dans l'ordre. Et d'ailleurs, de la soupe, rien de substantiel ne s'était vraiment perdu, car le guetteur, avant le combat, avait arrimé soigneusement la gamelle aux branches supérieures pour qu'elle résiste au vent. C'est un beau numéro et très efficace, la chevauchée que nous nommons la chevauchée des rêves. Nous la montrons depuis bien des années. Celui qui l'a inventé est mort depuis longtemps de tuberculose pulmonaire, mais ce legs est resté et nous n'avons toujours aucune raison d'éliminer du programme la chevauchée, d'autant moins qu'elle ne peut être imitée par la concurrence. Elle est, même si l'on ne s'en rend pas compte à première vue, inimitable. Nous avons l'habitude de la placer à la fin de la première partie. Elle ne conviendrait pas en tant que fin de soirée. Ce n'est rien de mirifique, de précieux, rien de quoi l'on puisse parler en rentrant chez soi. Chose qui reste inoubliable, même pour la tête la plus dure, quelque chose qui sauve toute la soirée de l'oubli. Cette chevauchée n'est rien de tel, mais elle est apte à... Le combat avec le mur de la cellule. 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 Étrange, dit le chien. Et il se passa la main sur le front. Où ai-je donc cavalé? D'abord sur la place du marché, ensuite en haut de la colline par le chemin creux, ensuite plusieurs fois en long et en large sur le grand plateau, ensuite la descente,
ensuite un bout de chemin sur la route, ensuite à gauche vers le ruisseau, ensuite le long de l'allée des peupliers, ensuite devant l'église et maintenant me voilà ici. Pourquoi donc cela ? Et ça m'a désespéré. Une chance d'être de nouveau de retour. J'ai peur de cette course sans but, de ces grands espaces déserts. Quel pauvre petit chien désemparé je fais alors, totalement perdu. Je n'ai d'ailleurs pas du tout envie de me sauver d'ici. C'est ici, dans la cour, qu'est ma place. C'est là qu'il y a ma niche, ma chaîne pour les quelques fois où j'ai envie de mordre. Tout est là, et une riche nourriture. Bon, alors, en aucun cas, je ne voudrais partir d'ici de mon plein gré. Je m'y sens bien. Je suis fier de ma situation. Un sentiment de supériorité agréable, mais justifié, m'envahit à la vue des autres bêtes. Mais y a-t-il un seul de ces autres animaux qui se cavale aussi stupidement que moi ? Aucun ! Si j'excepte le chat, cette chose molle et griffue dont personne n'a besoin et qui ne manque à personne. Il a ses secrets qui ne me concernent pas et se glisse partout pour son service, mais seulement dans la zone de la maison. Je suis donc le seul à déserter de temps en temps et il est tout à fait certain que cela peut me coûter un jour mon enviable situation. Aujourd'hui, heureusement, personne ne semble l'avoir remarqué, mais récemment, Richard, le fils du maître, a fait une remarque à ce propos. On était dimanche, Richard était assis sur le banc et fumait. J'étais couché à ses pieds, la joue pressée contre la terre. « César, dit-il, toi, méchant chien infidèle, où étais-tu ce matin ?»« À 5h, à l'aube. Donc, à un moment où tu es censé monter la garde, je t'ai cherché et ne t'ai trouvé nulle part sur la ferme. Tu n'es rentré qu'à 7h moins le quart. C'est une violation inouïe de ton devoir. Sais-tu cela ?» J'étais donc à nouveau pris sur le fait. Je me levais, m'assis à côté de lui, l'enlaçais de mon bras et dis « Cher Richard, passe encore une fois là-dessus et n'ébruite pas la chose. Pour autant que cela dépende de moi, cela ne se produira plus. » Et je me mis à pleurer tellement, pour toutes les raisons imaginables, par désespoir pour moi-même, par peur de la punition, par émotion devant la mine paisible de Richard, par joie devant l'absence momentanée d'un instrument de punition, je pleurais tellement que j'inondais de mes larmes la veste de Richard, si bien qu'il me repoussa et m'ordonna de me coucher. À ce moment-là, je lui promis de m'améliorer, et voilà qu'aujourd'hui, la même chose se reproduit. J'étais même plus longtemps absent qu'alors. Il est vrai que je n'avais promis de m'améliorer qu'autant que c'est en mon pouvoir. Et ce n'est pas ma faute. Avais-je un intercesseur ? Ce n'était pas clair du tout. Je ne pus rien apprendre de précis à ce sujet. Tous les visages fuyaient mon regard. La plupart des gens qui venaient à ma rencontre et que je retrouvais encore et encore dans les couloirs avaient l'air de grosses vieilles dames. Elles avaient de grands tabliers à rayures bleues sombres et blanches qui leur couvraient tout le corps. Elles se caressaient le ventre et se tournaient et se retournaient lourdement.
je ne pus même pas savoir si nous étions bien dans un immeuble du tribunal. Certains indices allaient en ce sens, mais beaucoup d'autres allaient contre. Au-delà de tous les détails, ce qui me rappelait le plus un tribunal, c'était un bourdonnement que l'on entendait sans arrêt comme venant de loin. On ne pouvait dire de quelle direction. Il remplissait tellement tous les espaces que l'on pouvait croire qu'il venait de partout, ou plus exactement, que l'endroit précis où l'on se trouvait par hasard à cet instant était l'endroit d'origine de ce bourdonnement. Mais c'était bien sûr une illusion, car il venait de loin. Ces couloirs étroits, à voûte simple, à lent tournant, avec de hautes portes à la décoration discrète, semblaient même faits pour un calme profond. C'étaient les couloirs d'un musée ou d'une bibliothèque. Mais si ce n'était pas un tribunal, pourquoi donc y étais-je en quête d'un intercesseur? Parce que je cherchais partout un intercesseur. Il est nécessaire, partout. On en a même moins besoin au tribunal qu'ailleurs, car le tribunal prononce son verdict d'après la loi. On doit le supposer. Si cela se passait alors de manière injuste ou peu sérieuse, aucune vie ne serait en fait possible. On doit avoir confiance dans le fait que le tribunal laisse libre cours à la majesté de la loi, car telle est sa seule tâche, mais dans la loi elle-même, tout est accusation, défense et verdict. L'intervention d'un individu autonome ne serait que forfaiture. Mais il en va autrement avec le fait même d'un verdict. Celui-ci s'appuie sur des investigations ici et là, dans la parentèle et auprès d'étrangers, auprès des amis et des ennemis, dans la famille et dans le public, à la ville et à la campagne, bref, partout. Il est donc absolument nécessaire d'avoir des intercesseurs. Des intercesseurs en nombre. Le mieux serait qu'ils soient placés, serrés l'un contre l'autre. Un mur vivant, car les intercesseurs sont de nature difficile à mouvoir. Mais les accusateurs, eux, ces rusés renards, ces agiles belettes,
Ces petites souris invisibles s'introduisent dans les plus petits interstices, surgissent entre les jambes des intercesseurs. Donc, vigilant. C'est bien pour cela que je suis ici. Je collectionne les intercesseurs. Mais je n'en ai encore trouvé aucun. Il n'y a que ces vieilles femmes qui vont et viennent encore et toujours. Si je n'étais pas en quête, je m'assoupirais. Je ne suis pas au bon endroit. Je ne peux hélas pas repousser l'idée que je ne suis pas au bon endroit. Je devrais être à un endroit où il y aurait grand concours de gens, de régions différentes, de toutes les classes sociales, de tous les métiers, de tous âges. Je devrais avoir la possibilité de sélectionner soigneusement, à partir d'une foule, les compétents, les bienveillants, ceux qui m'accordent un regard. Ce qui conviendrait sans doute le mieux serait une grande foire annuelle. Au lieu de cela, je me traîne dans ces couloirs où on ne peut voir que ces vieilles femmes et encore peu d'entre elles, et toujours les mêmes. Et celles-là, malgré leur lenteur, ne se laissent pas interpeller. Elles m'échappent, flottent comme des nuages de pluie, sont requises par des occupations inconnues. Pourquoi donc me suis-je précipité à l'aveugle dans un bâtiment sans lire l'inscription au-dessus de la porte? Me retrouvant aussitôt dans les couloirs, m'asseyant ici avec une telle obstination que je ne peux plus du tout me souvenir m'être jamais trouvé devant ce bâtiment, m'être précipité en haut des escaliers. Mais je ne dois pas m'en retourner. Il me serait insupportable de devoir m'avouer avoir gâché mon temps, m'être ainsi égaré. Comment ? En cette vie courte, pressée, sur fond d'un impatient bourdonnement, se ruer en bas de l'escalier, c'est impossible. Le temps qui t'est imparti est trop court. Si tu perds une seconde,
Tu as déjà perdu toute ta vie, car elle n'est pas plus longue. Elle est toujours juste aussi longue que le temps que tu perds. Donc, si tu as commencé à prendre un chemin, continue, en toutes circonstances. Tu ne peux que gagner. Tu ne cours aucun danger. Peut-être qu'à la fin, tu tomberas. Mais si tu avais fait demi-tour dès les premiers pas, et si tu avais dévalé les escaliers, tu serais tombé dès le début. Et ce n'est pas une probabilité, mais une certitude. Donc, si tu ne trouves rien dans les couloirs, ouvre les portes. Si tu ne trouves rien derrière les portes, il y a de nouveaux étages. Si tu ne trouves rien en haut, ça n'est pas grave. Élance-toi dans de nouveaux escaliers. Tant que tu ne cesseras pas de monter, les marches ne cesseront pas. Sous l'assaut de tes pieds, elles monteront plus haut. J'ordonnais qu'on sorte mon cheval de l'écurie. Le serviteur ne me comprit pas. J'allais moi-même à l'écurie, je sellais mon cheval et grimpais. J'entendis au loin le son d'une trompette. Je lui demandais ce que cela signifiait. Il ne savait rien et n'avait rien entendu. Il m'arrêta à la porte et me demanda « Où vas-tu chevaucher, maître ?»« Je ne sais pas, » dis-je. Mais loin d'ici, vraiment loin d'ici, toujours plus loin d'ici, ce n'est qu'ainsi que je pourrais atteindre mon but. « Tu connais donc ton but ?» me demanda-t-il. « Oui, » répondis-je, « je viens de le dire, loin d'ici. »
Tel est mon but. Tu n'emportes pas de provisions, dit-il. Je n'en ai pas besoin, dis-je. Le voyage est si long que je mourrai de faim si je ne trouve rien en chemin. Aucune provision ne peut me sauver. Par chance, c'est vraiment un très grand voyage. F. Penché sur des livres de contes. Vois donc ici. Allons, vois donc. 2 forts coups à la porte, puis encore un plus léger. F. Je viens. Il va lentement vers la porte, en se raclant la gorge, regarde par l'œil ton, opine du chef, tire 2 verrous, ouvre ensuite la porte. T. Vieille dame douce. Bonjour, cher Félix. F. C'est très gentil, ma tante, d'être venue. T. Mais tu m'as écrit, Félix. Je suis bien sûr venu aussitôt. F. Bon alors. Il s'assoit. F. Tu as toujours été ma conseillère. T. Moi ? Une femme ignorante ? Tu me fais toujours la même plaisanterie. F. Ce n'est pas une plaisanterie. Que serais-je sans toi ? D'un autre côté, il est vrai. T. Alors ? F. D'un autre côté, il est vrai que si tu n'étais pas là, je devrais aussi faire mon chemin tout seul dans le vaste monde. T. Bon. Bon. F. Non, ma tante. Pas ainsi. Je t'en prie. Ne me quitte pas. J'arrivais hors d'haleine. Un poteau était enfoncé légèrement de biais dans le sol et portait un panneau avec l'inscription « Enfouissement ». Je devais toucher au but, me dis-je, et je regardais autour de moi. À quelques pas seulement se trouvait une modeste tonnelle enfoncée dans la verdure d'où provenaient de légers bruits d'assiettes. J'y allais, glissais la tête par l'ouverture étroite. Ne voyant pas grand-chose dans cet intérieur sombre, je saluais quand même et je demandais « Savez-vous qui s'occupe de l'enfouissement ?»« Moi-même, pour vous servir, » dit une voix aimable. « J'arrive tout de suite. » Je pouvais maintenant distinguer peu à peu les membres de la petite société. Il y avait là un jeune couple, 3 petits enfants qui atteignaient tout juste avec leur front le plateau de la table et un nourrisson, encore dans les bras de sa mère. L'homme qui était assis au plus profond de la treille voulut se lever aussitôt et se précipiter au dehors. Sa femme lui demanda gentiment de terminer d'abord son repas. Mais lui me montra du doigt. Elle dit à nouveau que je serais assez aimable pour attendre un peu et pour leur faire l'honneur de partager leur maigre déjeuner. Et finalement, très mécontent de moi-même, puisque je troublais là de si laide manière la joie dominicale, je dus dire « Hélas, hélas, chère madame,
je ne puis accepter votre invitation car je dois immédiatement, oui vraiment immédiatement, me faire enfouir. Ah, dit la femme, en plein dimanche et en plus pendant le déjeuner. Ah, les caprices des gens, l'éternel esclavage. Ne me grondez pas ainsi, dis-je. Je ne demande pas à votre mari par lubie, et si je savais comment faire, je l'aurais fait depuis longtemps tout seul. N'écoutez pas ma femme, dit l'homme qui était déjà à côté de moi et m'entraînait. Ne demandez pas aux femmes de la raison. Je n'ai plus à m'en retourner. La cellule a explosé. Je bouge. Je sens mon corps. La légèreté des enfants est incompréhensible. De la fenêtre de ma chambre, j'ai une vue sur un petit jardin public. C'est un petit jardin municipal, pas beaucoup plus qu'un espace ouvert poussiéreux qui est séparé de la rue par des buissons fanés. Les enfants y jouent, comme toujours, et aussi cet après-midi. L'écriture se refuse à moi. D'où le projet d'investigation autobiographique. Pas une biographie, mais investigation et mise au jour des plus petits éléments possibles. Ensuite, je veux me construire à partir de là comme quelqu'un dont la maison ne serait pas solide, qui voudrait s'en construire une autre à côté, solide, elle, si possible, avec les matériaux de l'ancienne. Mais c'est grave quand, en plein milieu de la construction, ses forces le quittent et qu'il a maintenant à la place d'une maison peu solide mais pourtant complète, une maison à moitié détruite et une autre à moitié achevée, donc rien. Ce qui s'ensuit, c'est la folie. Donc à peu près une danse de cosaques entre les deux maisons, au cours de laquelle le cosaque, à coups de talons de bottes, fouille et excave si longtemps la terre que sous lui se creuse sa tombe.
Comment suis-je arrivé ici ? M'écriai-je. C'était une salle de dimension moyenne, éclairée par une douce lumière électrique. Je passais devant ces murs. Il y avait bien quelques portes, mais si on les ouvrait, on se retrouvait devant une sombre paroi rocheuse et lisse qui se trouvait à portée de main depuis le pas de la porte et qui courait toute droite en hauteur et à perte de vue des deux côtés. Ici, il n'y avait pas d'issue. Seule une porte conduisait à une chambre contiguë. La vue y donnait plus d'espérance, mais n'était pas moins étrange que celle des autres portes. On voyait une chambre princière. Le rouge et l'or y régnaient. Il y avait là plusieurs miroirs hauts comme le mur et un grand lustre de cristal. Mais cela n'était pas encore tout. Un jeune étudiant voulut un soir de janvier, au moment des grandes mondanités, rendre visite à son meilleur ami, le fils d'un haut fonctionnaire. Il voulait lui montrer un livre qu'il était justement en train de lire et dont il lui avait d'ailleurs déjà beaucoup parlé. C'était un livre difficilement compréhensible sur les fondements de l'histoire de l'économie politique. On avait du mal à suivre. L'auteur tenait fermement son sujet contre lui, comme, pour reprendre la remarque juste d'un compte-rendu, le père tient son enfant la nuit en chevauchant. Malgré toutes les difficultés, le livre plaisait beaucoup à l'étudiant. Lorsqu'il avait démêlé la cohérence d'un passage, il sentait avoir beaucoup gagné, non seulement sur le point qui venait juste d'être évoqué, mais tout le contexte lui semblait plus clair, mieux fondé et plus résistant. Plusieurs fois en chemin vers son ami, il s'arrêta sous une lanterne et lut quelques phrases, à la lumière voilée d'un brouillard neigeux. Il était oppressé par des soucis qui dépassaient sa compréhension. Il fallait se saisir du présent, mais la tâche à venir lui paraissait confuse et infinie, comparable seulement à ses propres forces qu'il ne sentait pas non plus encore prêtes en lui. Thank you.
je voulais me cacher dans les sous-bois. Je me frayais un bout de chemin à la hache. Ensuite, je me terrais et je fus à l'abri. Un grand drapeau m'enveloppait. Je m'en extirpais difficilement. Je me trouvais sur un monticule, prairies et rochers, nus, se succédaient. D'autres monticules semblables couraient comme des vagues vers toutes les directions du ciel. La vue s'étendait loin. Ce n'était qu'à l'ouest que la vapeur et l'éclat du soleil couchant dissipaient toutes les formes. Le premier homme que je vis fut mon commandant. Il était assis sur une pierre, les jambes croisées, appuyé sur le coude, la tête dans les mains. Et il dormait. On avait fini un cercueil et le menuisier le chargea sur la charrette pour l'amener au magasin. C'était un temps de pluie, un jour sombre. Un vieux monsieur arriva de la rue transversale. Il resta debout devant le cercueil, le toucha de sa canne et entama une petite conversation avec le menuisier à propos de l'industrie du cercueil. Une femme avec un cabas qui descendait la rue principale buta légèrement contre le monsieur. Elle le reconnut alors comme une connaissance proche et elle resta là un petit moment. L'apprenti sortit de l'atelier. Il avait encore quelques questions pour son maître à propos de ses autres travaux en cours. La femme du menuisier, son petit dernier dans les bras, apparut à une fenêtre au-dessus de l'atelier. Le menuisier commença à taquiner un peu le petit depuis la ruelle. Le monsieur et la femme au cabas regardèrent aussi vers le haut en souriant. Dans l'illusion d'y trouver quelque chose à manger, un moineau s'était posé sur le cercueil et sautillait de ci de là. Un chien flairait les roues de la charrette. Soudain, un coup fort fut frappé de l'intérieur contre le couvercle du cercueil. L'oiseau s'envola et, affolé, fit des cercles au-dessus de la charrette. Le chien aboya furieusement. Il était le plus énervé d'entre tous, comme si cela avait été son devoir de prédire l'événement et qu'il était désespéré d'y avoir failli. Le monsieur et la femme avaient sauté sur le côté et attendaient, les mains ballantes. L'apprenti prit une décision soudaine et se précipita sur le cercueil. Déjà, il était assis dessus
cette position lui paraissait moins effroyable que l'éventualité que le cercueil ne s'ouvre et que le frappeur ne s'en extirpe. D'ailleurs, il regrettait peut-être déjà son geste hâtif, mais maintenant qu'il se trouvait en haut, il n'osait pas en redescendre et tous les efforts de son maître pour le ramener en bas furent vains. La femme en haut, à la fenêtre, qui avait probablement aussi entendu le coup, mais qui ne pouvait déterminer d'où il venait et, en tout cas, n'avait pu soupçonner qu'il pouvait venir du cercueil, ne comprenait rien à ce qui se passait en bas et regardait la scène très étonnée. Un policier, attiré par une impulsion vague, retenu par une peur diffuse, se rapprochait en hésitant. Le couvercle se souleva avec une telle force que l'apprenti glissa de côté. Un grand cri bref et unanime retentit. La femme disparut de la fenêtre. Apparemment, elle dévala l'escalier avec son enfant. Dans le cercueil, fortement comprimé, je le déclare ici avec force. Tout ce que l'on raconte sur moi est faux, si l'on part de la supposition que j'ai été le premier homme à être l'ami de cœur d'un cheval.
Il est curieux que cette monstrueuse affirmation soit répandue et qu'on y croit, mais il est encore plus curieux que l'on prenne la chose à la légère. On la répand et on la croit, mais on la laisse reposer avec guère plus qu'un hochement de tête. Il y a là un secret qui serait en fait plus intéressant à explorer que la chose insignifiante que j'ai vraiment faite. Ce que j'ai fait, ce n'est que cela. Pendant toute une année, j'ai vécu avec un cheval, comme à peu près un homme qui, s'il ne rencontrait aucun obstacle extérieur pour organiser tout ce qui lui permettrait d'atteindre son but, vivrait avec une jeune fille qu'il vénère, mais qui le repousse. Je me suis donc enfermé avec le cheval Éléonore dans une écurie et je n'ai quitté cette résidence commune que pour donner les heures de cours par lesquelles j'ai gagné notre subsistance à tous deux. Hélas, il s'agissait quand même de 5 ou 6 heures quotidiennes et il n'est pas du tout exclu que cette perte de temps soit la cause de l'échec final de tous mes efforts, que ces messieurs que j'ai sollicités en vain pour soutenir mon entreprise et qui n'auraient eu qu'un peu d'argent à donner pour une chose à laquelle j'étais tellement prêt à me sacrifier comme on sacrifie une botte d'avoine qu'on fourre entre les mandibules d'un cheval, que ces messieurs se le tiennent pour dit. C'est ma vieille ville natale et j'y suis à nouveau revenu. Je suis un citoyen très à l'aise et j'ai une maison qui a vue sur le fleuve. C'est une vieille maison à 2 étages avec 2 grandes cours. J'ai une affaire de remise de voiture, on scie et on tape à coups de marteau dans les 2 cours toute la journée. Mais dans les pièces d'habitation qui se trouvent à l'avant de la maison, on n'en entend rien. Là, c'est un profond silence. La petite place devant la maison, qui est fermée sur ses côtés et n'ouvre que sur le fleuve, est toujours vide. Dans ces pièces de séjour, de grandes pièces parquetées, un peu assombries par des rideaux, se trouvent de vieux meubles. Je vais et viens volontiers entre eux dans une robe de chambre molletonnée. Thank you.
me voilà debout devant mon vieux maître. Il me sourit et dit « Que se passe-t-il ?» Cela fait déjà si longtemps que je t'ai libéré de ma classe. Si je n'avais pas pour tous mes élèves une mémoire si forte, inhumaine, je ne t'aurais pas reconnu. Mais ainsi, je te reconnais parfaitement. Oui, tu es mon élève. Mais pourquoi reviens-tu ? À travers le brouillard de la ville, dans une ruelle étroite, bordée sur un côté par un mur recouvert de lierre. C'est de nouveau le vieux combat avec le vieux géant. Certes, il ne combat pas. Il n'y a que moi qui combat. Il se couche simplement sur moi, comme un garçon de ferme sur la table de l'auberge. Il croise les bras hauts sur ma poitrine et appuie son menton sur ses bras. Arriverai-je à supporter cette charge ? La caractéristique majeure de cette ville est son vide. La grande place du Ring, par exemple, est toujours vide. Les trams qui s'y croisent sont toujours vides. Leur signal sonne haut, clair, libéré de la nécessité de l'instant. Le grand bazar, qui commence sur la place du Ring et mène par de nombreuses maisons dans une rue très éloignée, est toujours vide. Aucun client n'est assis aux nombreuses petites tables de la terrasse du café qui s'étale des deux côtés de l'entrée du bazar. Le portail principal de la vieille église, au milieu de la place, est grand ouvert, mais personne n'entre ou ne sort. Les marches en marbre qui mènent au portail reflètent avec une force presque indomptable les rayons de soleil qui tombent sur elles. C'est ma vieille ville natale et j'erre lentement, hésitant, par ses ruelles.
C'est ma vieille ville natale et j'erre lentement, hésitant, par ses ruelles. Le corps endurci comprend ses devoirs. Je soigne l'animal avec une joie grandissante. L'éclat des yeux bruns me remercie. Nous sommes unis. Cette couleur du vieux drapeau, nous l'avons levée une fois. Le théâtre est vide. C'est la matinée. Le souffleur a hier... Blanc floral, blanc floral. Blanc floral, blanc floral.
je jouais du piano. Vieille petite chose du temps de la jeunesse. Je ne suis jamais allé au-delà de ce que j'avais alors appris. Depuis le bas de la vallée, deux soldats arrivaient. Paysage hivernal. Je le reconnus à peine. C'était un couloir étroit, bas, à voûte ronde, crépi en blanc. Je me trouvais devant l'entrée. Elle obliquait vers les profondeurs. Je ne savais pas si je devais me lancer. Indécis, je frottais mes pieds contre l'herbe rare qui poussait devant l'entrée. Un monsieur vint à passer, certainement par hasard. Il se penchait un peu, mais volontairement, parce qu'il voulait me parler. « Où vas-tu ? » « Nulle part pour le moment, » dis-je, en regardant son visage enjoué mais hautain, qui aurait été hautain même sans le monocle qu'il portait. « Nulle part pour le moment. » Je réfléchis d'abord. Un jour, quelqu'un en société raconta quelque chose sur ma patrie. Ce n'était pas un compatriote, il ne savait d'ailleurs pas que telle était mon origine. Il racontait simplement parce qu'un jour, là-bas... Donc maintenant, vous autres jamais plus, que fait la pâleur de la lune, que fait le brasier du forgeron ?
jamais plus. Jamais plus tu ne retournes dans les villes. Jamais plus. Jamais plus ne sonnera la grande cloche sur toi. Premier chagrin. Un trapéziste. On sait que la pratique de cet art, haut sous les dômes des grandes scènes de variété, est une des plus difficiles de toutes celles qui sont à portée des humains. Avait organisé sa vie, d'abord par seul souci de perfection, puis plus tard aussi par une habitude devenue tyrannique, de telle façon qu'aussi longtemps qu'il travaillait dans le même établissement, il restait jour et nuit sur son trapèze. Tous ses besoins, d'ailleurs très réduits, étaient pris en compte par des serviteurs qui se relayaient. Il veillait en bas et hissait et descendait tout ce qui était nécessaire en haut, à l'aide de récipients spécialement conçus pour cet usage. Ce mode de vie ne causait pas de difficultés particulières au monde environnant. Cela ne dérangeait qu'un peu pendant les autres numéros, car il était resté là-haut, ce qu'on ne pouvait cacher, et bien qu'en de tels moments, il se tint la plupart du temps fort tranquille, il arrivait que parfois, un regard venant du public s'égara sur lui. Pourtant, les directions le lui pardonnaient parce qu'il était un artiste exceptionnel, irremplaçable. Et on se rendait compte, bien sûr, qu'il ne vivait pas ainsi par caprice, mais que c'était la seule façon de s'entraîner constamment, de maintenir la perfection de son art. D'ailleurs, là où la vie était saine, et quand, lors de la saison chaude, on ouvrait les vasistas sur tout le pourtour du dôme, et que le soleil pénétrait puissamment avec de l'air frais dans la pénombre, c'était même plutôt beau. Certes, ses rapports avec les humains étaient limités. Parfois, un collègue gymnaste gravissait l'échelle de corde jusqu'à lui. Alors, tous deux s'asseyaient sur le trapèze, s'appuyaient à droite et à gauche sur les cordes de soutien et bavardaient. Ou bien, des ouvriers réparaient le toit et échangeaient quelques mots avec lui par une fenêtre ouverte. Ou encore, le pompier vérifiait l'éclairage de secours de la galerie supérieure et lui adressait des paroles respectueuses, mais difficilement compréhensibles. Sinon, c'était le silence autour de lui. Seul quelque employé méditatif, qui s'était égaré un après-midi dans le théâtre vide, lançait un regard vers les hauteurs presque impénétrables dans lesquelles le trapéziste, sans pouvoir savoir que quelqu'un l'observait, pratiquait son art, ou se reposait. Le trapéziste aurait pu vivre ainsi sans être dérangé, s'il n'y avait eu les inévitables voyages d'une localité à l'autre qui lui pesaient beaucoup. Certes, l'impresario veillait à ce que soit épargnée au trapéziste toute prolongation inutile de ses souffrances. On utilisait pour les transferts dans les villes des voitures de course, avec lesquelles, si possible pendant la nuit ou aux premières heures de l'aube, on fonçait à toute vitesse dans les rues vides de gens, mais même ainsi c'était trop lent pour le désir du trapéziste.
Dans le train, on réservait tout un compartiment dans lequel, d'une façon certes misérable, mais se rapprochant quand même un peu de son mode de vie habituel, le trapéziste voyageait en haut dans le filet à bagages. Dans le théâtre de la ville, où devait avoir lieu la représentation suivante, le trapèze était installé à sa place bien avant l'arrivée du trapéziste, et toutes les portes menant à l'intérieur du théâtre étaient grandes ouvertes, tous les couloirs libérés, mais c'était quand même toujours les plus beaux moments de la vie de l'impresario quand le trapéziste posait son pied sur l'échelle de corde et se retrouvait de nouveau en un instant, enfin, tout là-haut sur son trapèze. Aussi nombreux qu'aient déjà été pour l'impresario les voyages réussis, tout nouveau voyage lui était quand même pénible, car ils étaient à chaque fois abstraction faite de tout le reste, très destructeur pour les nerfs du trapéziste. Encore une fois, les voilà voyageant ensemble. Le trapéziste était couché dans le filet à bagages et rêvait. L'impresario, appuyé contre la vitre dans le coin opposé, lisait un livre. Soudain, le trapéziste lui murmura quelque chose. L'impresario se mit aussitôt à son service. Le trapéziste dit, se mordant les lèvres, qu'il avait maintenant besoin pour sa pratique non plus d'un seul trapèze comme auparavant, mais toujours de deux trapèzes se faisant face. L'impresario fut tout de suite d'accord, mais le trapéziste, comme s'il voulait montrer que pour cela l'approbation de l'impresario avait aussi peu d'importance que n'en aurait eu son opposition, dit qu'à partir de cet instant, et quelles que soient les circonstances, il ne pratiquerait jamais plus sur un seul trapèze. Se produire peut-être une fois, il sembla frissonner. L'impresario expliqua encore une fois, en hésitant et en l'observant, qu'il était complètement d'accord. Deux trapèzes, c'était mieux qu'un seul. De toute façon, cette nouvelle installation n'avait que des avantages. Elle rendait la production bien plus variée. Soudain, le trapéziste se mit à pleurer.
impresario, très effrayé, se leva d'un bond et demanda ce qui se passait. Et comme il ne reçut pas de réponse, il monta sur la banquette. Il le caressa et pressa son visage contre le sien, si bien qu'il fut inondé des larmes que versait le trapéziste. Mais ce ne fut qu'après bien des questions et des mots d'apaisement que le trapéziste dit en sanglotant « Avoir seulement cette barre dans les mains, comment puis-je donc vivre ?» À cet instant, il fut tout de suite plus facile pour l'impresario de consoler le trapéziste. Il promit de télégraphier dès la prochaine gare à l'endroit du prochain spectacle pour demander un second trapèze. Il se reprocha d'avoir laissé si longtemps le trapéziste travailler sur un seul trapèze, le remercia et le complimenta beaucoup d'avoir enfin attiré l'attention sur cette faute. Ainsi l'impresario réussit-il lentement à rasséréner le trapéziste et il put regagner son coin. Lui-même n'était pas tranquille. Il regardait par-dessus son livre à la dérobée, très soucieux, le trapéziste. Si de telles pensées commençaient subitement à le tourmenter, pourraient-elles jamais cesser? Ne devaient-elles pas s'aggraver sans cesse? Ne menaçaient-elles pas son existence même? Et l'impresario crut vraiment voir qu'alors, dans le sommeil apparemment tranquille qui avait succédé aux larmes, les premières rides avaient commencé à se dessiner sur le front enfantin et lisse du trapéziste.